les traditionnels appels pour féliciter le tout nouveau haut représentant du président Alpha Condé. Sidya Touré savoure cette nomination avec des militants du parti Union des Forces Républicaines et tous les autres Guinéens venus à son domicile pour le souhaiter bon vent. Cet homme politique, détenteur d'une licence en droit des affaires, a occupé plusieurs postes de responsabilité en Côte d'Ivoire et en Guinée. Sa carrière nationale commence véritablement en 1996 lorsqu'il est nommé Premier ministre sous feu président Lansana Conté, un poste qu'il occupe pendant près de 3 ans. Sidya Touré engage alors de profondes réformes administratives, économiques et sociales. Résultat, la Guinée obtient en 1997 un programme formel avec le FMI et son éligibilité à l'initiative PPTE, pays pauvre très endetté. Tout le préparait depuis longtemps, assuré de hautes responsabilités. Son passage en Côte d'Ivoire de 1972 à 1996 lui permet d'acquérir une grosse expérience. Et c'est justement ce que l'ancien directeur de cabinet du président Alassane Ouattara compte mettre à la disposition de la Guinée. Si le poste est inédit, créé pour la toute première fois en Guinée, Sidya Touré a déjà sa petite idée de comment remplir cette fonction. C'est une très grande marque de confiance qu'il va falloir mériter dans les mois à venir pour permettre à notre pays, selon sa propre volonté, à notre pays réconcilié, mis au travail, vraiment de gagner la bataille du développement. Je crois que c'est l'objectif majeur. Cette fonction qui a été créée spécialement pour faire le travail qu'il souhaite faire, en rapport avec l'ambition que lui-même a actuellement pour notre pays et auquel nous espérons pouvoir participer avec toute l'expérience qu'on peut apporter. Son engagement politique pourrait l'y aider, lui qui est un des grands acteurs des accords du 20 août 2015 et un des 8 candidats de la présidentielle 2 mois plus tard. Candidat sous la bannière UFR, l'enfant de Colo d'Ambofa avait également pris part au scrutin du 27 juin 2010 où il obtint 16% des voix. Une nouvelle page s'ouvre dans la carrière professionnelle de Sidya Touré, père de 6 enfants.